Salut les filles, c'est Aritini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des huiles essentielles qui sont bonnes pour l'entretien de nos cheveux. Mais avant de passer à la vidéo, je voulais vous annoncer mon offre spéciale. J'ai créé pour vous un guide qui vous donne une routine capillaire pour booster la pousse des cheveux. Donc le guide vous offre une routine capillaire complète. Vous avez une recette de traitement de cheveux, une recette de shampoing, une recette de masque capillaire et une recette de lotion hydratante, le tout avec des ingrédients 100% naturels que vous trouvez facilement autour de vous. Donc, si vous cherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche juste là pour télécharger. Allez-y, c'est gratuit, c'est pour vous. Les huiles essentielles, on en trouve vraiment de toute qualité, mais en fait, il y en a qui sont vraiment ciblées pour la pousse du cheveu, pour l'entretien du cuir chevelu, pour revitaliser les cheveux, leur redonner force, brillance et tonus. Donc ici, je vais partager avec vous ces huiles-là que j'ai l'habitude d'utiliser et qui marchent très bien pour les cheveux afro. Alors la première huile dont je vais vous parler, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Elle a l'avantage de stimuler la circulation sanguine. Donc en fait, elle agit au niveau du cuir chevelu et elle permet en fait au cuir chevelu de pouvoir bénéficier de tous les nutriments dont il a besoin. Son action va ouvrir les pores et permettre que le cuir chevelu respire non seulement mieux, mais aussi absorbe tous les nutriments que vous allez apporter dont il a besoin. Et aussi, le fait de stimuler la circulation sanguine va favoriser la pousse du cheveu. La deuxième huile essentielle dont je vais parler, c'est l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas, dont je l'utilise déjà depuis pas mal de temps. Et j'aime bien le côté brillant que ça apporte aux cheveux. Et aussi, ça permet également de stimuler la pousse. La troisième huile essentielle, c'est l'huile essentielle de Tea Tree, qui, elle, a un côté antibactérien, donc ça va vraiment assainir le cuir chevelu, ça va le débarrasser de toutes les bactéries, ce qui permet d'avoir un cuir chevelu sain. Et du coup, les cheveux peuvent pousser normalement, le cuir chevelu respire très bien. Et le tea tree permet également de stimuler le cuir chevelu, donc c'est tout bon pour l'entretien des cheveux. La quatrième huile essentielle, c'est le romarin. Dans l'huile essentielle de romarin, permet surtout de revitaliser les cheveux. Donc si vous avez des cheveux qui sont fatigués, ternes, ben, ça va vous permettre en fait de leur redonner de la vie. Donc c'est une huile essentielle à intégrer très souvent dans sa routine capillaire. Et la cinquième et dernière huile essentielle dont je vais parler, c'est Ylang Ylang. L'huile essentielle d'Ylang Ylang, je crois que c'est la toute première huile essentielle que j'ai d'ailleurs utilisée pour mes cheveux. Et c'est surtout, elle a surtout l'avantage de lutter contre la chute des cheveux. Bon, j'aime pas trop son odeur. Il y a des gens qui aiment bien son odeur, mais voilà, moi, ça passe pas tant que ça. Mais voilà, c'est vraiment une huile essentielle que quand j'ai utilisée, j'ai vu la différence sur mes cheveux au niveau de la chute, en fait. Vous le savez ou vous ne le savez pas, on n'utilise pas les huiles essentielles en grande quantité. Ce ne sont pas les huiles végétales. C'est toujours des gouttes, des toutes petites gouttes qu'on va rajouter à nos soins. Le tea tree, par exemple, je l'utilise dans mon huile de massage du cuir chevelu pour stimuler la pousse. Donc, dans mon huile, je vais ajouter peut-être 3 gouttes. En fonction de la quantité d'huile que je vais avoir, je mets vraiment quelques petites gouttes et je vais utiliser pour masser le cuir chevelu. Les autres huiles essentielles, baie Saint-Thomas, Ylang Ylang, je les mets dans mon masque capillaire. Donc, en fonction de la quantité de masque capillaire que j'ai, je vais compter un nombre de gouttes à rajouter. Et en fait, quand vous achetez les huiles essentielles, il y a quand même une petite notice en fait. Donc le fabricant vous dit voilà, pour telle proportion de produit, ben, doser à tel pourcentage. Mais l'idée, c'est toujours de ne mettre que quelques gouttes parce que les huiles essentielles sont très 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 concentrées. Et si vous dépassez le dosage recommandé, ben, vous risquez plutôt de vous créer des problèmes avec ces huiles. Alors comment utiliser ces huiles essentielles? Ça dépend vraiment du problème que vous avez. Donc je vous ai listé les bienfaits de chaque huile essentielle. Vous pouvez décider d'associer 2 huiles essentielles en fonction de peut-être que vous voulez assainir le cuir chevelu ou peut-être que vous voulez stimuler la pousse. Donc en fonction de votre problème, vous choisissez
l'huile qui répond à la caractéristique dont vous avez besoin. Et vous pouvez choisir aussi de ne pas toujours utiliser les mêmes huiles essentielles sur plusieurs semaines, mais d'alterner pour que vos cheveux ne s'habituent pas à une seule huile essentielle. Donc, je récapitule, nous avons parlé de 5 huiles essentielles. Je vais les citer, mais pas dans l'ordre. Ce n'est pas l'ordre qui était important, mais c'est surtout ces huiles que je voulais partager. Donc, on a le tea tree qui permet d'assainir le cuir chevelu, c'est antibactérien. On a l'ylang-ylang qui permet de lutter contre la chute des cheveux. On a baie de Saint-Thomas qui permet de donner la brillance aux cheveux et qui stimule également la pousse d'ailleurs. On a la menthe poivrée qui stimule la pousse, qui stimule également la circulation sanguine. Et on a enfin le romarin qui permet de revitaliser les cheveux secs et abîmés. Voilà les filles, j'espère que je vous ai éclairé sur les huiles essentielles à utiliser dans votre routine capillaire. N'oubliez pas de télécharger le petit guide qui vous propose votre routine capillaire complète avec des produits naturels pour stimuler la pousse. Et je vous dis à très bientôt. Bye!